Aujourd'hui, le petit frère d'Akili était très fâché. Il bougeait ses bras et criait. Akili voulait rendre son frère heureux. Elle a essayé de lui donner un jouet. Elle a même essayé de lui donner quelques couleurs. Mais rien n'a marché. Elle essaiera encore demain. Mais pour l'instant, Akili est très fatigué. Bonne nuit, Akili. Oh, wow! Regarde, tous les oiseaux s'envoler dans le ciel. Les amis d'Akili viennent la saluer. Oh, oui, whoop-de-doo! Hello, Akili! Wow, wow! Hello, friends! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un à la forêt qui a l'air très fâché. Let's go and look. Oh, oh, c'est Madame Green. Elle est très fâchée. Hello? I am angry. Angry? What's angry? Être fâché, c'est un sentiment. Le mot fâché se dit angry en anglais. Tu pourrais être fâché si tes amis refusent de partager des choses avec toi ou quand tu es maltraité. Aha! Angry! Why are you so angry? Madame Green leur dit pourquoi elle est fâchée. Tous les jours, les oiseaux viennent voler des bâtons et tous les jours, elle devient de plus en plus fâchée. Let's help! Oui, bonne idée! Yes! Good idea! Let's go! Ça doit être le nid de l'oiseau qui ne cesse de voler chez Madame Green. Hello, Father Bird. Bird? Oiseau se dit en anglais bird. Aha! Bird! Hello, Father Bird! Hello, Bird! Oh! Look! Oh, oh! Happy Hippo voit quelque chose. Papa Oiseau fait un nid pour ses bébés et il utilise les bâtons de Madame Green. Aha! Miss Green! Let's go to Miss Green! Akili et ses amis courent vers Madame Green avec toute la famille Oiseau. Hello, pour Green. Expliquer pourquoi Look, les oiseaux prennent des bâtons. No birds! Go away! I'm angry! Les oiseaux prenaient les bâtons sans demander. Prendre des choses sans demander peut rendre quelqu'un fâché. Birds, tell Miss Shrub you're sorry. Les oiseaux doivent demander pardon à Madame Green. Yes, say sorry. Les amis d'Akili aident les oiseaux à s'expliquer devant Madame Green qu'ils avaient besoin des bâtons pour construire des nids pour leurs bébés. Madame Green comprend pourquoi les oiseaux volaient les bâtons et donc elle n'est plus fâchée. Yes, Miss Green, birds are friends. Oh, look! Akili voit un bâton au sol. Peut-être que les oiseaux pourraient utiliser les bâtons qui sont tombés au sol. Yeah! Wow. Great idea! Good job, Akili! Madame Green et les oiseaux trouvent que c'est une bonne idée. Beau travail, Akili! Yay! Maintenant, quand les oiseaux viendront, Madame Green leur dira de prendre les bâtons au sol. Say thank
Thank you, birds. Oh, I am so happy. Souviens-toi que le mot content se dit happy en anglais. Tout le monde est content maintenant. Maman d'Akili appelle. Let's go to the rainbow. Let's run, run, run. Let's run, run, run. Let's run, run, run. Look, the rainbow. Qu'est-ce que le nuage de mots voudrait qu'Akili fasse aujourd'hui? Comment dit-on fâché en anglais? Oui, c'est exact, Akili. Le nuage de mots veut que nous disions tous ensemble le mot oiseau. Disons le mot oiseau en anglais. Bird. Bird. Bien joué. Maintenant, le dernier mot. Maintenant, comment dit-on content en anglais? Happy. Happy. Oui, beau travail. Le nuage de mots a disparu. Yeah. Maintenant, l'arc-en-ciel peut te ramener chez toi à ta mère. Bye, friends! Bye, Akili! Oh, Akili est debout et son petit frère pleure toujours. Akili a une idée. Akili demande à sa maman de lui donner une banane. Peut-être que cela le rendra heureux. Ça marche! Akili a rendu son frère content. La maman d'Akili est aussi contente et fait un câlin à Akili et son petit frère. Ils s'apprêtent tous pour la nouvelle journée. Akili sait que quand elle sera endormie, elle ira de nouveau à La La Land pour rencontrer ses amis et apprendre de nouveaux mots en anglais. Hey there, friends, what time is it? It's time for the alphabet! A-A-A-Akili, B c'est pour bébé, bébé bouche baby, C c'est pour chat. C'est E. E c'est pour éléphant. E, éléphant. F c'est pour famille. Fa, famille. G c'est pour gâteau. Un très gros gâteau. H pour hippopotame. Mon ami Happy Hippo. E, F, G, H. L'alphabet, c'est génial. I c'est pour insecte. Insecte. J c'est pour joyeux. Nous sommes toujours joyeux. Cocorico le kiosque. L c'est pour lion, c'est notre little lion. I, J, K, L, l'alphabet nous aide à lire. M c'est pour montagne, marcher vers la montagne. N c'est pour nuit, à qui il dort la nuit. O c'est pour océan, nage dans l'océan. P pour politesse, il est bien d'être poli. Q c'est pour question, à qui il pose des questions. M, N, O, P, Q, nous chantons l'alphabet pour vous. R, c'est pour rouge en haut de l'arc-en-ciel.
grand ciel. S, S est pour soleil, so 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 soleil. T est pour tigre, ti 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 tigre. U pour uniforme, deux uniformes identiques. V c'est pour village, voici notre village. R, S, T, U, V, chantons l'alphabet ensemble. W c'est pour wagon, deux wagons qui roulent. X pour xylophone, la musique aux xylophones. Y c'est pour yeux, regarde avec deux yeux. Z c'est pour zèbre, z z z z zèbre. W X Y Z c'est l'alphabet de A à Z. Alors, Bouche Baby, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Un visage? Eh bien, c'est une bonne idée. Je crois que tu sais comment commencer. Avec quelle forme Bouche Baby devrait-il commencer? Beau travail, Bouche Baby! Et il faudra des yeux et d'autres choses au visage, n'est-ce pas? C'est exact, Bouche Baby! Tu peux utiliser des cercles et des demi-cercles pour terminer le visage. Tu n'as toujours pas dessiné la bouche. Oh, Bouche Baby! Le visage est-il triste aujourd'hui? Ok, ça va. C'est normal d'être triste. Mais là, c'est un visage fâché. C'est aussi normal. On ne peut pas être content tout le temps. Non, quoi, Bouche Baby? Bien joué! Je préfère vraiment le visage heureux. Aimerais-tu le colorier? Fais ta magie, Bouche Baby! Faisons de ce visage un visage vraiment joyeux. C'est magnifique, Bouche Baby! Tu es vraiment créatif!
2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 8, 9, 10. Compte à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. On recompte encore. Compte à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, on l'a fait encore, yeah! J'ai un nez et deux yeux, trois ananas et quatre papayes, cinq doigts sur ma main, six coquillages dans le sable, sept oiseaux dans le ciel, 8 poissons dans la mer, 9 jolis papillons et 10 bush babies. Comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bush babies. Compte à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, on recompte encore. Compte à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, on l'a fait encore. Compte à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, on l'a fait encore, yeah! Salut les enfants! Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire, une superbe histoire. Happy Hippo aime aussi lire des histoires. L'histoire d'aujourd'hui est... Une poupée pour tous. Un jour, Moda Hippo acheta une nouvelle poupée à Happy Hippo. Happy Hippo aimait sa nouvelle et belle poupée. Elle habilla la poupée et l'emporta partout où elle allait. Le jour suivant, Bush Baby voulait jouer avec la poupée de Happy Hippo. Akili voulut aussi jouer avec la poupée de Happy Hippo. Little Lion, à son tour, voulut aussi jouer avec la poupée de Happy Hippo. Mais il n'y avait qu'une seule poupée. Et c'était celle de Happy Hippo. Happy Hippo voulait jouer avec sa nouvelle et belle poupée. Que pouvait faire Happy Hippo? Happy Hippo eut une idée. Happy Hippo leur dit, « Jouons tous avec la poupée. Nous pouvons être la famille de la poupée. » Ils se sont beaucoup amusés. Savez-vous à quoi ils ont joué? Ils ont joué à la famille. Happy Hippo a joué le rôle de la mère de la poupée. Little Lion, quant à lui, a joué le rôle du père de la poupée. Akili a joué le rôle de la sœur de la poupée. Enfin, Baby Bush a joué le rôle du frère de la poupée. Ils ont lavé et habillé la poupée. Ils ont nourri la poupée avec toutes sortes d'aliments. Ils ont chanté et lu des histoires à la poupée. Ils ont même amené la poupée à différents endroits. Oh, ils ont pris tellement de plaisir à partager et à jouer avec la poupée. Eh bien, à la fin, as-tu aimé l'histoire? Eh bien, jusqu'à la prochaine! Bye!